monarchie. Président à Congo. Yeah!
Il est là, comme des députés nationaux et un président de la République. La volonté du peuple ne peut pas être négociée et aucun peuple autre que le peuple congolais n'a le droit de choisir les dirigeants du Congo. Donc voilà, et je suis là. Madame Vanessa, allez-y. C'est la vérité. Monsieur le Président, qu'est-ce que la diaspora congolaise peut attendre de votre séjour ici aux États-Unis?
Président, président, pour attendre moi que je dise ce qui s'est passé, et ce que nous devons faire. Président, ce que nous devons faire, c'est ce que le peuple veut, c'est que recouvrer la victoire du peuple. Non, vous étiez avec vos confrères hier à Bruxelles et aujourd'hui vous faites le déplacement de Washington. Soyez d'abord le bienvenu. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce qui s'est passé hier à Bruxelles? À Bruxelles. Ce qu'on va retenir, nous avons réaffirmé l'unité de la Mouka. Les membres de la Mouka sont unis pour un combat commun. C'est le combat de vérité, le combat du respect du peuple, le combat de la souveraineté du peuple. C'est-à-dire que personne d'autre ne peut décider à la place du peuple congolais. Le peuple congolais a décidé et sa décision doit être maintenue. Ça fait quand même longtemps, très longtemps d'ailleurs, qu'on a vu ce genre d'engouement à l'aéroport international de Washington DC. Alors, voir tous ces Congolais et Congolaises qui sont venus de partout vous accueillir, qu'est-ce que cela vous fait? Et qu'est-ce qui a changé de Martin Fayulu qui venait avant et celui qui arrive aujourd'hui, le 24 mars 2019? Le Martin Fayulu d'aujourd'hui, c'est le président élu de la RDC. Donc, je comprends que le peuple des États-Unis, les Congolais des États-Unis, accueille avec autant de ferveur. Donc, ce qui a changé, c'est que le peuple est allé aux élections et il a élu ses dirigeants. Nalingala, tu opposes au côté de l'Omogo. Vous allez parmi Barar, Oyo, le leader politique Bayaga dans le Congo et Bayaga dans les États-Unis, Bakuta dans la diaspora congolaise. Nazanga Koyopsa Yoangote, Tore Messia Yopona Yango. Alors, Lelo aussi, vous avez prévu de rencontrer la diaspora congolaise à Wana, Washington. Est-ce que le message n'a eu à Touroyo échangé dans les messages à Lelo Zaliboye. Tu connais que dans l'élection, le peuple a voté. Peuple a voté députés provinciaux, députés nationaux, députés a voté président de la République. Kabila, na ndenge na ye, oyo alingi kokonza Congo ti soki mokolo nini a fabriqué ba résultat. Le bina nanga, président ya CENI, commission électorale, a fabriqué ba résultat. Ba résultat wana cour constitutionnelle est confirmé yango, mais nzela ya mabe. Yango wana toye pour le peuple congolais, il faut tout bunda. Oyo aza na kati. Congolais dans le Congo, Congolais dans le Liban, tout le monde pour le peuple à joie résultat. La dernière question. La dernière question. Mais qu'est-ce qui vous empêche que tout le peuple nous appelle la balaba pour tout le monde? Mais peuple à Yébi, peuple à Zali, peuple à Salaganangoumanoui. Ok? Posez-la. Président, tout l'année qui on a DV5, le bac bien que aux après pour n'agobeng à lancer, qu'on fait sa mort d'ordre, il y a soulèvement populaire. Alors, bas congolais, bas lingi, bas yeba, aux okanis, c'est quoi que ça les mandengé nini? Non, dans le bac qui boit. Soulèvement populaire est vous là, parce que soulèvement populaire, ils allaient consigner la constitution d'Abissou, article 64. Ce qui peuple à Monique et à Baillé, ok, on est droit à Lingala, à Lembi, parce que Bazongi c'est lié pouvoir n'a y été. Peuple à Rosalani. C'est la constitution qui l'a dit. Constitution le bique Montonion, Soroyo, à l'Ikozoa pouvoir n'a ma casse. À l'Ikotika Manakiti qui m'a posé n'a ma casse. Peuple à l'Ina droit, il y a Rombenganaï. Voilà. Ok, on se retrouve à la merci beaucoup. Ok, Merci. C'est vraiment très 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 difficile de pouvoir S'il vous plaît. Oh,
Il est là, accueilli par le comité de la diaspora. Il est là, accueilli par le comité de la diaspora congolaise. Le premier Comme vous voyez, il y a cet engouement qui a ici. Ça va? Oui, ça va. Il est là tout à l'heure, tout à la salle. Il sera dans la salle. Moi, je pense que vous allez dans la salle. Ça, c'est John Image. Vous avez vu, il y a quand même des congolais. Si on regarde la photo. Je pense que tout à l'heure, hein, que qu'il y a des salles Mamoko. Ça les a pas allés. Le président le plus simple, hein. Azana est simple, comme vous voyez. Azana est simple. Les soldats, hein, tu vois. Moutou a battu. Donc, ma fara battu, ma fara bisso, il est là, il est à l'aise. Azana est ma photo. Naba congolais. Azoba n'a pas le côté. J'ai vu le gens m'ont dit, bon, la sécurité c'est bien, mais d'autant plus que Ayebi, il n'a pas un problème. Alléluia. Maman, bon, j'aime la papa, tu es. Papa, nous avons fourni. He's a president, our country. Democratic Republic of Congo president. Sure. So is it so simple? He don't care about whatever because he knows that people love him and then. You know, we really, really love him. He was being elected last year, December 30th. So, yeah, that's why he's coming today to see diaspora. So, Congolese diaspora is here, yeah. Un président très humble, un président qui n'a pas peur de la population. Il en prend des coups. Et j'ai dit, il peut s'aider. Oh, il y a un autre.
Oui, oui, finalement il est arrivé, nous sommes très très contents, nous sommes très contents. Oh, that's it. Oui, donc, moi j'ai amené toute ma famille ici donc. Oui, j'ai amené toute ma famille parce qu'on ne pouvait pas rester à la maison. Mm-hmm. Nous savons tous vraiment que. Moi je vous dis la vérité que moi je peux regarder le ciel, dire que c'est Fayoul qui a gagné les élections. Mm-hmm. C'est pas Félix Tshisekedi. Alors, lui qui. Il est là. Les impressions. D'accord, le président est là, il y a vraiment le monde mobilisé, la diaspora est ici, la communauté congolaise, New York, Virginia, Maryland, et tout, ils sont venus à Kinshasa, c'est bon, c'est un très bon signal. Et ça arrive juste après la réunion de l'Ottawa et on est venu avec le président Moussa. Nous sommes vraiment dans la joie parce que, comme on avait dit, c'est une tournée très importante qu'ils vont faire ici. La tournée, c'est des héros américains. Comme aussi la police au niveau de la Belgique, la France, et le reste. Et les États-Unis. Les États-Unis, comme on l'a dit, c'est les États-Unis. Donc il y a plusieurs États à faire. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites partie de la délégation qui voyage un peu avec le président élu, les acquis comme ça. Qu'est-ce que ça vous fait en tant que membre vraiment très près du président Fayoulou? Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. On a vu, moi je le dis toujours, que c'est un peu différent avec le feu Étienne Tshisekedi. Pour Martin Fayoulou, de l'ampleur, ce qui s'est passé en Afrique, en Belgique, à Paris et tout. Qu'est-ce que ça vous fait en tant que membre près du président Fayoulou? Ça m'encourage de continuer ce combat ici. Chaque jour, ça renouvelle ma force de croire à ce combat pour dire que la dignité de l'homme congolais a été bafouée. Est-ce que vous n'allez pas trahir Thomas? Parce que la constance, apparemment, dans la classe politique. Le problème, c'est que je peux répondre uniquement à votre question, c'est que c'est ça ce qu'on appelle la légitimité. Quand on est aimé, quand on est aimé près de son peuple, quand on est aimé, et surtout que même des Congolais qui ont voté, parce que la diaspora n'a pas voté. Exactement. C'est-à-dire qu'ils ont voté, les Congolais qui ont voté continuent à soutenir le président Martin Fayoulou. Ça montre qu'il y a la légitimité. Peut-être qu'il n'a pas la légalité parce qu'on nous a volé la légitimité. Il a été élu, mais il a la légitimité. C'est la confiance du peuple. Bah Congolais Balobi, il y a quelqu'un qui m'a posé cette question. On dit, bah Congolais Balobi, bah mon équipe Bino, bah jeune, n'engue, bah commis déjà qu'on maltraitait Bino. On a vu dans bah image, on a comme ça la activité moko, bah benga n'a qui Bino déjà dans la police. Est-ce que Bozo Banga peur ou en athée, il y a qu'au tic à la déterminer tant que bah jeune a fait mène il y a présent Fayoulou. Les lots à venir, la mission que j'ai mis sur le débat, le petit 82, c'est la barre de mission. Nous allons continuer jusqu'au bout. C'est caché. Ils ont trouvé un masque, Baba Kamini. Ils ont dirigé Baba. On ne peut pas accepter Baba Kamini, les enfants de la majorité, l'ensemble national majorité, le gouvernement, comme le gouvernement, Bambo, le premier ministre, Bambo et le reste du ministre, et puis les ensembles provinciaux, Bambo. Ça, c'est inacceptable. Nous n'avons pas accepté ça. Merci, bon séjour. Merci. Avec mon papa, président Fayoulou. Mon papa Fayoulou. Papa Serge, papa Serge. Papa Serge. Tu peux aller, va, je te prends ici, après je t'en veux. Non, va prendre chez moi. Tu peux profiter ici, hein, pendant qu'on y est, on sait jamais. Yeah, just go. Parce que oui, il est là. Et il n'a pas soutenu le chef de délégation a déjà parlé. Donc voilà. Bienvenue, C'est bon.
Non, ça c'est pas. Diego. Donc je suis obligée de couper présentement. Donc ma faille est là, Dobate là. On se retrouve dans la salle tout de suite, dans la salle. Les Congolais sont là. Donc on se retrouve tout de suite dans la salle. Je vous prends le à côté. Je vous prends. Ça c'est. Je vous prends le à côté. L'aéroport international de Washington DC, où les Congolais ont réservé un accueil chaleureux au président élu de Congolais, Martin Fayulu Madidi. Vous avez vu comment les Congolais l'ont accueilli. Donc, merci beaucoup à vous d'être nombreux. Merci de nous suivre sur Vanessa Bompemol International. Nous sommes obligés de vous laisser. Merci beaucoup. Merci à la diaspora congolaise des États-Unis. Merci pour cet accueil au président élu, le légitime et l'unique et le seul, le vrai gagnant de la RTC, Martin Fayulu Madidi, qui est en train de communier avec la diaspora congolaise. Bienvenue, Excellence. Bon, si jamais. Donc, ciao. On se retrouve dans la salle. Nous, on va bien parler avec le président dans la salle. Donc, on se retrouve là-bas pour les questions. Le président vous dit aussi là, l'esprit privé là. Donc, merci. Tu m'as tiré une faute. Non, papa, je ne vous ai pas vu. Oui, je n'ai pas même pris la...